Les deux équipes 55 dans la zone. Oh, de l'ouverture du score par Roman Vondracek, servi par Julien Correa. Ici à l'Alp Arena, ça fait 1-0. Une belle passe là. Il me semble que c'est Fabien Colotti qui passait derrière la cage et qui lui a fait une belle passe, mais il a pris tout le monde à contre-coup. Alors, en tout cas, c'est Vondracek hein, à la réalisation là, qui était au nez à la barbe de Pintarić, là, qui a pris un lancer à bout portant. Et ça fait 1-0. Alors on va attendre. Et le doublé de Roman Vondracek qui vient récupérer ce palais. On y est à la barbe de Pintarić et offrir le 2-0 pour les Rapaces de Gap. Oui, donc ça fait le travail paye car depuis tout à l'heure on met des palais à la cage avec beaucoup de trafic. Je ne sais pas s'il y a un ralenti, mais on verra Bostan Golicic qui voile le gardien, qui gêne le défenseur. Ce qui permet à Roman de pouvoir prendre le rebond et de pouvoir mettre le palo au fond de la cage. Ouais, il récupère le rebond, un contrôle et du revers. Exactement, bien voilà. Au fond, ouais. On met beaucoup de trafic dans la cage. Un palo à la cage. Pour Raphaël Fort derrière la cage, pour Tiller. Attention! Et Colotti qui vient mettre le 3-0 pour les Rapaces de Gap. Une fois de plus dans la même configuration, Ben, avec un palais relâché de Pintarić. Exactement. Mais ça fait 2-3 occasions là où il n'y a pas eu but avec Correa, Golicic, où les attaquants se retrouvent seuls devant la cage. Pintarić a fait le travail, mais là, un shoot plus un rebond, plus un shoot, plus un rebond, ça devient compliqué. Tic qui va temporiser. Laissé à Barker qui a une situation. Barker. Oh, et le but de Barker en infériorité numérique. Une belle action là sur Gutig qui vient assister. Allez, on l'a vu, hein, il est venu temporiser pour. L'expérience, le petit vice voilà, qui fait avec l'expérience, toute l'expérience qu'il a. Avec un bon lancer sous la mitaine là, que Julien a pu toucher. Mais là, gassé, ah, on peut voir Chakachvili. Ouais, qui... Là, Chakachvili avec de la vitesse et la déviation. Bien joué, et ouais, c'est bien vu la belle déviation là, sur ce palais laissé par Chakachvili. Et ça fait 3-2 pour les Dragons qui recollent au score. A fait la différence. Ouais, et puis on a bien vu, hein, on a vu Chakachvili qui est rentré très rapidement en zone, qui a vu. Voilà, bien joué. Et magnifique de la part de Romain Chapuis. Bravo. Allez, servi par Bourgeois là, il l'a vu arriver Fabien Bourgeois, il a levé la tête, il a vu Romain Chapuis qui arrivait. Regarde le palais, et puis le manque de prise en charge sur le repli défensif. Et puis une belle passe, et puis une belle remise dans la cage, voilà, c'est deux buts magnifiques. Ouais, Chapuis hein, qui avait également marqué. Travail dans la bande, ça arrive jusqu'à la bleue pour la marche qui envoie dans le trafic. Attention! Et ouais, c'est sous la botte de Julien Junca là qui est désolé de voir ce palais glisser, mais ça va jusqu'au bout et c'est un but. De la part de la marche numéro 44, je pense pas. Eh bien, ça fait 4-3, le match qui s'enflamme. Déjà 7 buts, alors que. Eh bien, il n'y a eu que 1 minute 11 de jouer. Quant à Gallo, oh, bel arrêt, le rebond. Nouvelle fois, le rebond et l'égalisation de Joris Bedin, le doublé. Le doublé de Joris Bedin, là, qui vient égaliser dans cette rencontre à 5-27 du terme du temps réglementaire. Assez dur pour les Rapaces, là, qui avait fait le plus dur jusque-là. Et bah ça fait 4 partout. Rouen qui se pose. Non. Oh là, le rebond. Oh, et Gutiérrez qui vient trouver Golicic. Et Golicic qui vient trouver le fond des filets et offrir la victoire aux Rapaces de Gap face aux Dragons de Rouen. Les Dragons qui, une fois de plus, prennent. Et là, là le beau geste de la part de Pintarić là, qui vient. Ah, ils se connaissent. Ouais. Ils jouent en sélection ensemble. Bien sûr. Et Pintarić là, qui vient bien féliciter Golicic là, pour son but. Les Rapaces de Gap, eh bien, qui font la passe de 3 en.